Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce numéro du mini-programme podcast de Mutcare, uniquement dédié à l'entrepreneuriat féminin dans le cadre de notre collaboration avec l'Organisation internationale du travail, afin de mieux comprendre les réalités des femmes qui entreprennent et mettre en avant des modèles de réussite pour encourager les autres à se lancer pour leur autonomisation. Nous recevons aujourd'hui une entrepreneure à qui nous laissons l'opportunité de se présenter. Bonjour. Bonjour à tous, je m'appelle Amel Kamdem, promotrice d'Elijah Events, agence de décoration événementielle. Depuis combien de temps ton entreprise existe-t-elle? D'où est venue l'idée? Et qu'est-ce qui a vraiment motivé le choix de te lancer dans l'entrepreneuriat? Elijah Events existe depuis 3 ans déjà. Et l'idée vient du fait que je suis passionnée par tout ce qui concerne la créativité, surtout dans le domaine de la décoration. Entreprendre dans ce domaine me permet d'être financièrement indépendante, d'avoir un but, parce que pour moi, chaque événement que je décore est une très belle aventure. Quels sont les services et produits que ton entreprise offre à tes clients? Nous vendons des accessoires de décoration tels que des ballons, des plats, des gobelets, des pipettes, des banderoles. Et nous offrons également des prestations de services comme la mise en place avec des chaises habillées, des tables habillées, des espaces photos pour tout événement. Comment as-tu reçu les connaissances pour maîtriser les ficelles de ton activité? Est-ce une formation professionnelle, un apprentissage dans le tas ou tout autre canal d'apprentissage? Bon, je me suis formée en ligne toute seule à travers des vidéos YouTube, sur TikTok, Instagram. Pour se lancer dans une activité comme la tienne, quels sont les facteurs à prendre en considération qui peuvent faciliter la réussite? Bon, ce que je peux dire dans ce sens, c'est que c'est très important d'avoir la capacité d'innover et de bien choisir la qualité de son matériel. Voilà, parce qu'avec des concurrents, c'est très important d'essayer de sortir de l'ordinaire et de faire ce que les autres n'ont pas l'habitude de faire. C'est ça qui va davantage attirer les gens vers vous et ils vont demander vos services. Et lorsque vous faites des prestations et que vous appliquez, vous voyez, les invités qui sont là présents, ce sont eux qui vont vraiment vous aider à communiquer sur votre entreprise parce qu'ils seront satisfaits. Quelles sont les difficultés auxquelles tu as fait face dans tes débuts, auxquelles tu fais face actuellement et comment les surmontes-tu au quotidien? Bon, les difficultés, c'était beaucoup plus au niveau du matériel. Je n'avais pas assez de matériel. Du coup, les gens avaient du mal à me faire confiance parce qu'ils se disaient que je n'étais pas suffisamment expérimentée. Pour remédier à cela, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que j'ai des bénéfices, la grande partie est réinvestie dans l'achat du matériel en termes de quantité et en termes de qualité. Ce qui fait que plus j'ai des prestations, plus j'ai aussi un catalogue fourni et ça permet aux clients de davantage me faire confiance. Quels sont les résultats encourageants qui démontrent qu'il y a de l'évolution entre ta période de démarrage et aujourd'hui, soit en termes de personnel, de nombre de clients, de matériel ou de chiffre d'affaires? Ou sur le plan de la vie sociale, est-ce qu'il y a un regard différent quand on voit une dame qui a réussi dans un certain domaine? Par la grâce de Dieu, il y a évolution. Il y a une très grande évolution parce qu'à la base, je pouvais à peine couvrir des événements de 20 personnes. Mais aujourd'hui, je couvre des événements de plus de 250 personnes. Donc, et au départ, je travaillais seule, mais aujourd'hui, je ne peux plus. J'ai avec moi 4 employés. Et au niveau social, les gens me regardent avec un peu plus d'admiration, avec plus de respect, parce que j'ai osé, j'ai persévéré. Quelle est ta stratégie de communication pour rendre visible ton entreprise et attirer les clients? En ce qui concerne la communication, j'utilise les réseaux sociaux. J'ai une page Facebook. J'utilise également les statuts WhatsApp. Et aussi, je travaille avec une entreprise, C1 Agency, qui m'aide
a fait le montage des flyers. Et il y a aussi la recommandation des clients, parce que c'est très important. Lorsque vous prestez bien quelque part, et lorsque vos clients sont satisfaits, ils aident également en communiquant à travers les recommandations. Quels conseils donnerais-tu aux filles et aux femmes pour les encourager à se lancer, elles aussi dans l'entrepreneuriat, comme tu as pu le faire? Honnêtement, j'encourage la jeune fille et la jeune femme à se lancer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat vous permet d'avoir un but, un objectif à atteindre. Et à chaque fois que vous avancez, cela vous procure une certaine satisfaction, un certain bonheur. Et l'entrepreneuriat est un grand pas vers la liberté financière. Il suffit de croire en vous et de croire en ce que vous faites, d'avoir un mindset très positif. Vous voyez, d'avoir un mindset très positif et de persévérer. Les débuts peuvent ne pas être faciles, mais lorsque vous vous y mettez et que vous travaillez chaque jour sur votre projet, j'ai la conviction que vous allez réussir. Merci d'avoir suivi ce programme et rendez-vous pour le prochain podcast avec une autre entrepreneur.